Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est le mercredi 25 août. On est en train d'aller, c'est une surprise pour Alaric, mais il va m'entendre dire le nom, je sais pas s'il va reconnaître. On est en train d'aller chez Booba City pour une fois, parce qu'aujourd'hui il fait super bon. Donc on va profiter du seul jour où il fait beau. Et en fait là-bas il y a des trucs gonflables, je vais te dire, ainsi ne va pas comprendre. Donc on est en train d'arriver, franchement c'est la journée de la poisse par contre. J'ai reçu mes colis, mes deux palettes Huda Beauty commandées sur fil unique. Il y en a une qui est complètement explosée, je vous mettrai une petite photo comment j'ai reçu la palette, bien dégoûtée. Donc là j'ai dû envoyer un mail à fil unique et tout. Logiquement ils sont censés m'en renvoyer une en espérant qu'elle n'arrive pas à nouveau casser. J'aurais préféré qu'ils m'en remboursent et aller ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça. Ensuite il y en a une qui nous a fait chier tantôt en voiture, donc je vais rester polie, ne pas m'énerver plus que je l'étais déjà, mais elle m'a gonflée. Donc voilà, surtout qu'en plus ça me fait bien rire les gens qui s'énervent comme ça, surtout quand c'est eux qui sont en tort et que voilà, c'est comique, mais bon, enfin soit, on va oublier cette personne. Et voilà, sinon on va peut-être aller chez Yves Rocher aussi parce que j'ai reçu un bon. Ce qui est comique chez Yves Rocher, c'est que ça fait 17 ans que je suis avec mon mari et j'ai reçu un bon, comme quoi ça fait 16 ans que je suis voilà, cliente fidèle chez eux. Donc c'est grâce à mon mari que j'ai connu Yves Rocher, j'allais pas chez Yves Rocher en fait à ce moment-là, et lui il utilisait un nettoyant avec des petits grains dedans que je trouvais trop génial, et du coup c'est comme ça que j'ai fait ma carte chez Yves Rocher. Du coup, ça fait déjà 16 ans que j'y suis, donc je vais aller chercher mon cadeau logiquement, et donc je vous filmerai un petit peu. À mon avis on va aller à Ville 2. On a été chercher du café aussi pour notre nouvelle machine à café que je vous ai pas encore montré, enfin vous l'avez vu sur Insta si vous me suivez, mais vous l'avez pas vu ici, donc je vous la montrerai tantôt et je vous montrerai le café qu'on a acheté. Et voilà, ce sera déjà pas mal pour la journée je pense, donc je vous retrouve à Booba City. Tu dis c'est où que tu veux aller depuis longtemps? C'est le château Gonflable. Au château Gonflable? Oui, maintenant. Et tu crois que c'est là qu'on va aller? Oui. Et t'es content? Oui. Allez, on y va alors. Pourquoi tu es là, papa? Regarde, tu vas avoir le château Gonflable pour toi tout seul. Tu vas aller? Tu tires tes chaussures? Vas-y, monte sur la vache! Monte sur la vache! Monte là, sur la vache! Allez, grave, monte dessus! Passe ta jambe! Vas-y, monte dessus! Monte dessus! Non, non, je peux pas aller, moi. Mais toi, tu peux sauter dessus! De toute façon, si tu tombes, tu te feras pas mal hein, avec. Hein. Tu peux essayer de monter dessus. Si tu tombes, tu tombes sur les coussins, t'as pas bobo. Essaye. C'est quoi, Fila? C'est rien, c'est pour monter le château gonflable. Par ce beau soleil, moi j'ai pris un tango. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tango, c'est une jupilère avec un peu de grenadine. Et monsieur, il a pris une lèvre rubis, pareil, une bière aux fruits et une petite eau pétillante pour le petit qui est en train de s'amuser dans le château gonflable. C'est vraiment chouette la luge là qui va faire. Je ne l'ai pas vu faire, mais apparemment il l'a déjà fait une fois. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de bruit avec les enfants. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hop là! Booba City, donc on est resté une heure quart plus ou moins. Donc je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est normal que vos enfants sont aussi crus que le mien quand il sort de Booba City? Non mais regardez ses cheveux. On dirait qu'il a pris une douche. Là monsieur est en train de mettre de l'essence, on est à date.
C'est mon cher ici. C'est la pompe de Colruyt. Alors, je suis en train de me choper un bouton ici qui me fait blinder mal, que j'étais en train de sentir justement là-bas. Il est ici. Les rouges sont là, c'est pour ça. Donc du coup, je suis en train de... j'ai perdu le mot, je ne sais plus comment ce qu'on dit. Je suis en train de bourgeonner. Voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant on va certainement aller déposer Alaric chez son tonton parce qu'il a envie d'aller voir son tonton. Et nous, on va peut-être aller du coup à Yves Rocher chercher mon produit gratuit et faire un petit tour parce que j'ai des articles à moins 50%, du 1 plus 1 gratuit. J'ai mis un petit sondage aussi pour la palette Huda pour voir si je vous fais quand même la vidéo avec la palette Huda qui est abîmée. Et vous êtes voilà, 82% à dire que oui. Donc à mon avis, voilà, je vais rafistoler un peu la palette et je ferai la vidéo comme ça, vu que à mon avis s'il me la renvoie, j'en ai pour 10-15 jours avant de la recevoir. Donc voilà, et je viens d'avoir deux trois messages comme quoi les personnes qui avaient commandé sur Sephora avaient eu la même blague avec la même palette. Donc à mon avis, ils ont commandé les autres palettes, mais c'est vraiment la Jaguar qui est très très fragile. Donc du coup, ça me fait peur le fait qu'ils me la renvoient. Et je me suis dit, mais la verte, je l'ai pas reçue cassée. Mais oui, forcément, j'ai été la chercher chez Sephora même. Ouh, voilà, tout ce baron bruit. Tombé. Donc, c'est pour ça que ma palette verte n'était pas cassée. Donc, j'espère que l'autre ne sera pas cassée non plus. On verra quand ils vont me la renvoyer, mais j'ai toujours pas eu de réponse à mon mail. Donc, j'attends. Bon, il y a action, mais je n'y vais pas cette fois-ci. Hein? Non, j'y ai action, mais je ne vais pas aller, sinon ça va être haul. Je vais aller voir à tape à l'œil pour le petit, pour le rhabiller. Alors, le petit, il n'est pas avec parce qu'il est resté avec son tonton. C'est plus facile pour faire les courses. Et donc, là, on va aller voir pour lui acheter une petite tenue à tape à l'œil pour l'école. Je vous montre un peu la galerie en même temps. Et voilà, tape à l'œil. Monsieur va se prendre un bon jus. Bon, ben en attendant monsieur qui va prendre son jus, je vais aller faire un tour à Planète Parfum. Je doute que je vois quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. Voilà, on est presque arrivé chez vos parents. On vient de s'arrêter à la banque. Monsieur est parti mettre des sous. Donc à tape à l'œil, j'ai trouvé 3 pantalons et 2 pulls. Je suis trop contente. Donc ça, je vais essayer à Larry quand on sera rentré. Je vais lui essayer les pantalons tout de suite parce que je ne sais pas si les pantalons iront. Les pulls, je suis sûre que oui. Les pantalons, ça, je suis moins sûre. Du moins, les deux jeans, en tout cas. Donc ça, je vous les montrerai tout à l'heure. Sinon, à Planète Parfum, il n'y a rien, franchement. À part ici, Paris XL, en Belgique, qui s'améliore, qui commence à avoir plein de marques comme Huda Beauty, Jeffrey Star et tout. Chez ici, chez Planète Parfum, il y avait Anastasia, mais franchement, ils ont presque rien dans le magasin. J'étais voir s'ils n'avaient pas le nouvel anti-cerne. Je doutais que non, mais je me suis dit, comme je suis à côté et que j'attendais monsieur, je me suis dit pourquoi pas. Et ils n'avaient plus rien, même dans le stand Anastasia. Donc, voilà, là, on va aller récupérer Alaric. Il va certainement boire un café chez mes beaux-parents, mais à mon avis, je vais rien boire du tout parce que pour l'instant, je fais des jeûnes intermittents. Donc, tous les jours, je m'arrête de manger et de boire à 19h. Et je remange à partir du lendemain, 11h. Lundi, j'ai su tenir jusqu'à midi. Donc, ça, c'est bien, j'ai fait 17h. Bon, je ne vais pas le faire tous les jours, mais j'aimerais bien le faire assez régulièrement quand même. Et à mon avis, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire mon sport. Hier, je l'ai fait, j'étais trop contente. Mais je l'ai fait à 19h15, j'ai crevé de soif après, donc du coup hier j'ai fait un jeûne, mais pas un jeûne sec, j'ai bu de l'eau, juste de l'eau après le sport, parce que franchement j'avais trop soif, je me suis retenue pendant une heure, mais j'avais trop soif, quoi. C'était pas possible. Bon après l'avantage c'est que quand je m'arrête à 19h, je dois pas faire pipi la nuit. Hier j'ai bu après mon sport, j'ai dû bien évidemment faire pipi la nuit, quoi. Ça c'est chiant, ça me réveille et ça coupe la nuit, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, j'ai pas eu de réponse de fait unique, donc à mon avis ça sera pour demain. Voilà, sinon dans mon dernier vlog, mais je sais pas si je l'aurais posté ou si vous l'aurez des... Enfin, si je l'ai posté, vous l'aurez déjà vu. Les soucis Vinted sont réglés. Ouf, alléluia. Donc j'espère qu'il n'y en aura plus maintenant. On verra, j'ai encore une commande, là j'ai réservé des trucs, mais la dame est en vacances, donc j'attends qu'elle soit rentrée, elle doit être rentrée d'ici un jour ou deux, et ainsi je paierai, elle m'enverra les articles, et je pourrai bientôt faire mon haul Vinted, je suis trop contente. Et j'ai trouvé des trucs chez Yves Rocher, mais ça je vous montrerai pas, parce que je vais faire un haul Yves Rocher prochainement, donc ça je vous montrerai pas. Donc voilà, monsieur est revenu, donc maintenant on va aller chercher le petit.
Bon, fallait quand même que je vous montre une évolution de mon petit parterre. Regardez-moi les roses. Il n'en avait que deux, je pense, quand je l'ai acheté, je ne sais plus. Mais là, il y en a encore deux qui doivent arriver. Il est magnifique. Ensuite, on a le grand qui est un peu plus... Voilà. Par contre, j'ai dû acheter un produit pour les soigner parce que vous voyez, il a celui-ci, il a un champignon qui se propage très vite aux autres, malheureusement. Et ce qui est en train d'arriver, bah, forcément, à celui-ci. Donc du coup, j'ai été chercher un produit. Là, je dois faire un traitement. J'ai déjà mis une fois et là, je dois remettre dans 10, entre 10 et 20 jours. Je dois le refaire une fois. Il paraît que ça part assez rapidement, donc je verrai. Parce que j'espère franchement que ça va aller, sinon je serai deg. Mais celui-là, il est arrangé, hein, vraiment. Mais bon, il a quand même des nouvelles pousses qui arrivent, donc c'est rassurant. Mais celui-ci, il est trop beau, quoi. Je vais vraiment en racheter pour en mettre d'autres dans le jardin, parce que je l'aime trop. Alors, on se retrouve, on est le jeudi 26 août. Donc hier, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai acheté pour Alaric chez Tape à l'œil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sinon, aujourd'hui, je me suis maquillée. Je viens tout juste de faire ma vidéo sur la palette Jaguar de chez Huda Beauty. Donc c'est cool de faire des vlogs parce que vous pouvez voir ce que ça donne à la lumière du jour, du coup, comme j'ai la fenêtre juste en face. Donc voilà, franchement, c'est une pépite cette palette. Alors, pour le petit chez Tape à l'œil, donc il y avait le deuxième article à moins 50. Bon, j'étais tout emballée quand je suis arrivée. Je me suis dit, ah, il y a des produits à moins 50. Non, pas du tout, c'était le deuxième, mais c'est déjà pas mal. Donc je lui ai pris un petit pull comme ceci, je sais pas si vous verrez bien, voilà, un petit pull qui coûtait 15 euros et que du coup comme c'était le produit moins cher, j'ai payé 7,50 €. Donc je pense que c'est celui qui va mettre le jour de la rentrée d'école parce qu'il est un peu plus fin que celui que je vais vous montrer juste après. Lui, j'ai déjà pris des choses un peu molletonnées. Donc ensuite j'ai pris celui-ci, j'aime trop le petit col, franchement il est super doux, donc voilà. Ne les salis pas, hein, mon cœur, je joue pas avec à terre. Ensuite, j'ai pris un petit pantalon, donc le pull, là, celui avant, il coûtait 20 euros. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit pantalon, comme ça, on a flashé dessus. Il est hyper doux et hyper molletonné à l'intérieur. On aime bien prendre ce petit genre de pantalon un peu jogging, comme ça, surtout pour le sport. Donc ça coûtait 15 euros. Lui, c'était la nouvelle, enfin, tout est la nouvelle collection, mais il n'était pas à moins 50. J'ai tout pris en 5 ans et on lui a tout essayé, tout va bien. Les jeans que je vais vous montrer sont un peu longs, mais avec un petit bord dans le fond. Donc, on a pris ce petit jeans ici, taille 5 ans aussi. Voilà. Et il est très joli, franchement, j'aime beaucoup. On a pris les deux mains, en fait, juste un plus clair et un plus foncé. Et les jeans coûtaient, donc il y en a un qui est passé à moins 50, il coûtait 18 euros. Donc, on en a mis un à 9. Voilà, et on a pris le même en genre de noir, enfin, je pense pas que c'est plus un bleu marine. Et ils sont un peu stretch comme ça, donc voilà. Et pareil, c'est le même avec le petit motif ici sur la poche et tout. Je les trouve trop jolis, donc voilà. Après, ils sont un tout petit peu grands, les jeans, niveau taille, mais il y a les boutons à l'intérieur pour resserrer, parce que si j'aurais pris 4 ans, ça aurait été trop petit à mon avis. Donc voilà, ça c'est pour sa rentrée d'école. Ensuite, je vous ai pas montré le café aussi. On a été, on savait même pas, à Binge, on a un... je sais plus comment on dit le nom, mais enfin quelqu'un qui est spécialisé dans le café. Donc du coup, on a pris du café Mexique. C'est moi qui fais du Mexique. Ouh, ça fait plein de rouge à lèvres sur le paquet. 10 sur 10. Bon, je sais pas si ça va, je vois pas. Donc voilà, on a pris celui au Mexique. Et on a pris celui... ça, c'est monsieur qui voulait tester celui-là. Et c'est le Éthiopie. Comme pareil à trouver. Donc voilà. On les a pas encore testés parce qu'il faut qu'on achève celui qui est dans la machine à café. Et on a acheté aussi des verres double paroi comme ça. Bon là il y a encore du café. Enfin il est sale parce que je viens de boire un café dedans. Et on a pris des petits verres comme ça double paroi. On a pris ceux-ci les moyens et des plus petits pour les cafés un peu plus petits. Donc impatient de tester ce café pour voir si on sent bien la différence ou pas. Voilà. Sinon je vais recevoir un colis de la part de Chiquel. Ils sont vraiment ultra rapides. Ils m'ont contacté il y a deux jours je pense. Ils m'ont validé. C'est hier ou avant-hier qu'ils ont validé. J'ai reçu le colis aujourd'hui. Ça devait être prévu lundi normalement. On est jeudi, j'ai déjà reçu le colis. Donc, je sais pas si je vais vous montrer dans le vlog ou dans mon haul prochainement. Quoi mon cœur? Ah maintenant tu me rends tout. Merci. Voilà, je peux tout plier. T'es content? Trop beau? Ouais. C'est bien. Et donc voilà, sinon hier soir on est rentré et du coup ben voilà, on s'est occupé du petit, on l'a mis au lit parce qu'il était couché après Booba City. Il était couché après Booba City, il était fatigué après Booba City, c'est tellement amusé qu'il était crevé, il s'est endormi dans la voiture. Donc du coup on l'a mis au lit en rentrant. Là monsieur est parti chercher, j'ai un colis de Look Fantastic qui est arrivé au Carrefour Market. Et il est en même temps parti chercher des pommes de terre et de la viande pour dîner. Enfin je vous dis ça pour dîner, il est déjà 15 h, hein, forcément avec ma vidéo et tout. Ah et des nuggets je dis, oui parce que Larry va manger des nuggets, il a envie de nuggets. Avec quoi tu vas manger des nuggets? Avec du riz. Avec du riz, bah oui.
Donc voilà. Sinon, j'ai retrouvé mon ancêtre, ma machine pour faire. J'aimerais bien recommencer. Enfin, recommencer. J'ai jamais fait les ongles semi-permanents. Je faisais des faux ongles avec en gel. Et bon, c'est une ancêtre. Hein. Elle a 15 ans, la machine. Hein. Oui, mon cœur. C'est poussé quoi? C'est pour faire les ongles. Maman va remettre du vernis à ongles. C'est poussé tes ongles à quoi? Bah, je vais choisir les couleurs. Faut que je commente les produits. Mais comment tu sais ces yeux? Eh ben je l'allume là, la lampe s'allume, maman elle met sa main à l'intérieur et ça sèche mon vernis. Ainsi après il tient bien. Tu vois? Donc du coup ben, elle fonctionne encore, donc c'est le principal, donc je vais l'utiliser. J'ai plus qu'à regarder ce que je vais commander comme produit. Je sais plus ce que j'allais dire avec tout ça. Fait l'unique vient de me répondre, ils m'ont renvoyé une palette Jaguar. J'espère, je croise les doigts qu'elle va pas arriver cassée. Mais franchement j'ai bien refait la mienne, vous verrez, enfin vous l'aurez vu dans la vidéo. Je l'ai bien refait, donc ça va, je suis quand même contente, j'ai su l'utiliser. Sinon, ben, quoi d'autre? Aujourd'hui le temps recommence dégueulasse. Tout le reste de la semaine, franchement, je suis dégoûtée. Je suppose que la semaine prochaine, quand il va rentrer à l'école, il va faire super bon. Mais bon, on a su profiter hier, donc je suis déjà contente de ça, ça c'est cool. Et voilà, là je vais attendre ce monsieur et je vais vite faire à dîner. Tant qu'on va regarder après pour faire la vidéo pour la mettre ce soir. Et sinon, bah, aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, là je commence à me choper la crève. J'avais mal la gorge hier matin, mais je vous l'ai pas dit après dans la journée parce que c'était passé. Franchement, c'était le matin. En général, c'est souvent pire le soir et le matin. Et c'était un peu passé quand j'avais mangé et bu mon café et tout. Mais là, par contre, ça a été un peu pire cette nuit. Et là, vraiment, j'ai les ganglions tout gonflés. J'ai un peu mal la gorge. En fait, Alaric avait le nez qui coule depuis quelques jours. Il s'est pas plein de sa gorge, mais moi j'ai pas le nez qui coule, mais je commence à avoir mal la gorge. Donc j'espère que c'est rien du tout, que ça va juste être un petit mal de gorge qui va vite passer. On va voir. Tout ce que j'espère, c'est pas avoir le nez bouché. Bon, vous entendez Alaric, hein, c'est ça les vlogs. Hein. Il joue. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve à mon avis, bah, peut-être pas aujourd'hui, parce que je vous dis là, je vais manger, on va mettre la vidéo et je vais pas faire grand chose, sauf si vraiment j'ai quelque chose à vous montrer ou à vous dire entre temps. Mais sinon, voilà, c'est tout. Donc je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Alors, on est le vendredi 27 août, donc je viens de me maquiller, c'est mon téléphone, je viens de me maquiller avec la palette que j'ai mis dans ma rotation make-up, celle-ci, la Viséar, et je l'aime beaucoup, ce fard est juste magnifique. J'ai mis le petit rouge à lèvres Kat Von D, qui est aussi dans ma rotation, celui-ci. Alors, je l'aime beaucoup, c'est dommage, j'arrive plus à le trouver en grand format. Apparemment, elle n'existe plus, cette teinte. C'est dommage, bon après d'ici que je finisse les petits formats, les rouges à lèvres, surtout que celui-ci c'est un mat, donc du coup les crémeux se finissent plus vite que les mats. Sinon là, je viens de boire un petit cappuccino et je viens de commander aussi des pizzas. On est vendredi, donc comme on n'a pas fait trop... Non, je pense pas qu'on ait fait d'écart cette semaine exceptionnellement. On essaye tout doucement, mais voilà, on se fait quand même un bon petit repas de la semaine, parce que voilà, sinon c'est pas gay, moi j'aime bien manger, donc voilà. Donc du coup j'ai commandé une pizza tartiflette, j'ai jamais goûté. Et on n'a jamais commandé à cette pizzeria là, donc on va voir si c'est bon, parce que franchement dans la région de mes beaux-parents les pizzas sont trop bonnes. Il y a une pizzeria où on commande tout le temps, mais alors ici dans notre région pour trouver des bonnes pizzas c'est un peu plus compliqué quoi. Donc j'ai commandé ça, donc c'est pommes de terre, fromage, lardons je pense, bien bien gras. Ensuite monsieur il a pris quoi? Il a pris une Roma, c'est jambon de Parme je pense, et Alaric il a pris une petite jambon avec des olives parce qu'il adore les olives, donc je vous montrerai les pizzas quand elles arriveront. Ils m'ont dit, j'ai sonné à 13h, ils m'ont dit 1h, 1h15, donc ce sera pas avant 14h, 14h15. Je n'ai bu qu'un cappuccino, j'ai essayé de faire un jeûne un peu plus long et j'ai fait 19h30. J'aurais bien voulu faire 24h, mais là je commence à avoir mal la tête, donc pour l'instant j'ai juste bu un cappuccino et je vais peut-être manger un petit fruit avant qu'ils arrivent. Donc voilà, sinon il faisait super beau, là il y a un grand soleil et juste derrière vous il fait tout noir quoi. Donc la pluie va arriver, je me suis dit, ça fait 2 jours que je me lève le matin, je me dis il va faire super beau et pour finir après il pleut. Et là à mon avis ça va pas traîner, d'ailleurs je suis encore en pyjama, faut que je m'habille, je vais m'habiller là avant que les pizzas arrivent et je vais préparer les sous. Sinon j'ai fait quoi? Ben, je viens de mettre le lave-vaisselle, maintenant je vais regarder pour les machines et il faut aussi que je range encore tout le make-up qui est ici sur la table et que je prépare ma vidéo de dimanche parce que je vais faire mes favoris, donc il faut que je regarde, faut que je check un peu dans mes vidéos et tout ce que j'ai testé pour pas oublier de choses à vous montrer. Au départ je comptais faire mon haul dimanche, mais les articles que je vais recevoir aujourd'hui je les recevrai pas aujourd'hui, j'en recevrai un lundi, un mardi, donc à mon avis je ferai la vidéo haul mardi. Et puis ça tombe bien, dimanche, on est vraiment à la fin du mois pour les favoris et flops, donc c'est parfait.
Je vais faire ça à mon avis. Et après, je repousserai plus le haul. Je le ferai de toute façon pour mardi à mon avis. Parce que sinon, à chaque fois, j'achète de nouveaux trucs. Donc à chaque fois, je repousse le haul pour rajouter des trucs dedans. Et pour finir, voilà. Donc à un moment donné, il faut que je m'arrête et je préparerai les autres produits que je recevrai après pour le prochain haul. Voilà, voilà. Je vous laisse ici et je vous retrouve pour vous montrer les bonnes pizzas dès qu'elles arrivent. Ah bah en attendant qu'elles arrivent, je ne t'ai pas encore montré la nouvelle machine à café. Enfin, je l'ai montré sur Instagram, mais pas à vous. En fait, on laisse tout le temps un verre parce que dès qu'on l'allume, elle se nettoie. Et elle se nettoie à chaque fois, en fait. Dès qu'on l'allume, dès qu'on l'éteint, oui. Dès qu'on fait un café, elle se nettoie. Oui, de quoi tu parles, toi? Et là, au-dessus, c'est fait pour mettre les verres qu'on a achetés. Donc voilà, franchement, elle est très, très bien, cette machine. Donc voilà, le café qu'on a acheté. Et ça, on le laisse parce qu'en fait, c'est le problème avec ces machines-là. C'est qu'en fait, apparemment, le socle ici se griffe assez, assez rapidement. Donc du coup, on n'ose pas retirer le collant bleu pour l'instant. Peur qu'elle soit vite, trop vite griffée. Donc voilà, tant qu'il tient, on le laisse, même si c'est pas très esthétique, mais au moins elle se griffe pas. Ouais. Donc il faudrait que je trouve peut-être une solution, pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre un vernis ou quelque chose, pour pas qu'elle se, elle se griffe, mais bon. Oui. En attendant, on laisse comme ça, quoi. Oui. Alors, ça, c'est ma pizza qui a l'air bien bonne. Alors ça, c'est celle d'Alaric. On avait demandé une junior, mais je pense qu'il a eu une adulte. On a demandé supplément en livre, mais je crois qu'il va être, il va être content. Il est servi, hein. Franchement, là, ouais, il était déjà tout content. Il arrête pas de sauter à côté de moi. Oui, mais remets ton pull, tu vas avoir froid. Et ça, c'est la pizza de Monsieur Jambon de Parme avec supplément parmesan. Alors, je vous retrouve le lundi 30 août, donc lundi de la rentrée. Alaric rentre à l'école mercredi. Comme vous l'aurez constaté, pas de make-up aujourd'hui parce qu'il est déjà 17h passé. Et je suis toujours en pyjama et je vais le rester pour toute la journée. Je pense que le lundi de rentrée, on a tout été dans le même mood, il me semble. Quand j'ai suivi Instagram, une mouche, quand j'ai suivi un peu sur Instagram tout à l'heure, on était toutes en mode le lundi de rentrée, là ça va pas. Il y a monsieur qui est en train de travailler dehors, donc ça fait certainement du bruit. Moi, je viens de mettre une lessive de noir séchée. J'ai encore une lessive qui est occupée parce que j'ai mis le manteau à la lumière. Pourri, je crois. J'ai mis le manteau d'Alaric à laver parce que vu le temps qu'il fait ici, à mon avis, lundi, il aura besoin de son manteau. Surtout que nous, le matin, on l'amène à pied à l'école vu qu'on est juste à côté. Donc du coup, à mon avis, il aura peut-être quand même besoin du manteau le matin. Sinon, je suis en train aussi de faire les chaussettes, de chercher les chaussettes qui vont ensemble. Super, hein, intéressant. Et là, je vais vous montrer aussi, j'ai les vêtements que je suis en train de ranger. Donc, enfin, que je vais repasser surtout. Donc là, on a ma lessive de noir qui est en train de sécher. Mes magnifiques orchidées aussi à l'arrière. Et ensuite, donc là, c'est les vêtements que je dois repasser. Puis nous avons les fameuses chaussettes que je suis en train d'essayer de retrouver. Et là, on a encore des vêtements que je dois repasser. Donc ça et ça, je vais repasser. Voilà, sinon pas grand chose. On n'a pas fait grand chose. J'ai fait quelques trucs sur YouTube que je devais regarder. Lessive, on a déjà mangé. D'ailleurs, j'ai mis les linges séchés par ici parce que monsieur a fait du poisson de l'autre côté. Donc, du coup, ça sent un peu dans la maison. Là, j'ai nettoyé la poêle et tout et j'ai un petit peu aéré. J'espère que l'odeur va partir parce que le poisson, quelle horreur. Bon, j'ai mangé du poulet. Mais... voilà. Et sinon, bah, je vais vous laisser ici. À mon avis, aujourd'hui, oui, la caméra qui est tingling. Je vais continuer mes petits trucs. Je vais me repasser devant un épisode de Innocent. Je regarde la mini-série Innocent. C'est très spécial pour l'instant, je suis au deuxième épisode, donc je vais être au troisième là. Et j'ai pas tout... Le premier épisode ça a été, le deuxième j'ai pas trop compris. Maintenant on est revenu plus ou moins par rapport au premier, dans le deuxième, à la fin du deuxième. Donc je suppose que dans le troisième ça va aller mieux. Attendez, je sais plus, je suis au deuxième ou au troisième? Je crois que je vais regarder le troisième, mais je suis pas sûre. Mais c'est très spécial, c'est une mini-série, mais pour l'instant je comprends pas trop bien. Faut le temps de trouver la série, mais le problème c'est qu'il y a pas beaucoup d'épisodes. Donc il est temps que je... je crois qu'il y en a 6 ou 8. Donc il est temps que j'arrive à rentrer dans la série. Et j'ai fini, je regardais avant ça sur Netflix, je regardais Virgin River. Donc ça par contre c'est clairement film d'amour, machin et tout. Donc si vous êtes pas trop ce genre de film romantique, machin, enfin c'est une série plutôt, ça vous intéressera pas trop. Mais c'était bien. Après moi j'ai beaucoup pleuré pendant cette série. Surtout que pour celles qui me suivent depuis un moment, ben voilà, dans la série, la personne a perdu un bébé et tout à la naissance et tout. C'était assez compliqué à regarder et je le savais pas quand j'ai commencé cette série. Donc voilà, mais voilà, ça m'a fait. J'aime quand même bien regarder encore ce genre de série. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas l'expliquer. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve demain, à mon avis. Alors, on est le mardi 31 août, on est en train, enfin, monsieur est en train de faire le toit de la cave qu'on doit faire depuis un moment, mais comme il fait dégueulasse depuis je sais pas combien de temps, donc là, il a mis les bois, et après, on va mettre les plaques.
Donc voilà, je l'aide un peu, je tiens l'échelle, quoi. Parce que voilà, elle est un petit peu mise. Mais on n'a pas le choix pour arriver là au-dessus, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, je vous montrerai ça quand ça sera fini. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps de faire ma vidéo, parce que ben là, on est occupé à faire ça. Et en plus, j'ai une migraine atroce, fin de règle égale, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, on est le mercredi 1er septembre et Alaric est prêt pour rentrer en deuxième maternelle. T'es prêt pour aller à l'école? Ouais, t'es content? Il a mis ses nouvelles baskets, il a eu son nouveau cartable. On en a un là qui est pressé d'aller à l'école. Allez. C'est moi qui prends le cartable. Un comique, toi. Alors, on est le jeudi 2 septembre. Alaric est à l'école, donc il est à son deuxième jour d'école. Ça s'est super bien passé hier. Il n'est pas parti en pleurant ni rien du tout. Donc, ça s'est super bien passé. Hier, j'ai pas fait grand chose après. Donc, je vous ai rien filmé. Mais là, on va en profiter qu'il est à l'école. Il finit déjà dans 1h30. Hein, mais on va en profiter qu'il est à l'école pour aller à Action. Parce que j'ai deux colis Vinted à aller porter. Mais je n'ai plus de collant pour fermer mes colis. Donc, du coup, on va aller chercher ça. Ensuite, il faut qu'on aille à la banque. Il faut qu'on aille à Hubo chercher des choses pour le toit qu'il est en train de terminer de la cave. Et sinon, après il faut que je fasse ma vidéo parce que je ne l'ai pas encore faite. Mais il fait super beau, ça c'est cool. Donc voilà, je vous retrouve, je vais essayer de filmer un peu à Action, discrètement, on va voir. Je vais essayer et je vous montrerai un peu ce qu'il y a comme nouveauté. Et à mon avis, je vais peut-être essayer de regarder si j'achète pas mal de trucs, je ferai un haul. Tout dépend ce que j'achète, ce que je trouve. Si je trouve pas mal de choses, ben, je ferai un haul. Si pas, ben, je vous montrerai dans le vlog. C'est trop cool, je l'ai enfin trouvé. Depuis le temps qu'il est sorti en France, mais pas chez nous. Par contre, c'est une blague, il y a déjà le rayon de Noël. C'est une blague. C'est un peu tôt là quand même, non? C'est trop chaud pour mettre dans le jardin, je vous montrerai ce que j'ai acheté à la maison. Alors, je suis trop contente, j'ai su vous filmer un petit peu chez Action, en plus il n'y avait pas trop de monde. Par contre, il y avait déjà, comme je vous l'ai dit, Noël quoi. C'est vachement tôt, hein. Franchement, les enfants viennent de rentrer à l'école, on est au mois de septembre, c'est quand même encore dans presque 4 mois, et il y a déjà Noël. Ça c'est un petit peu tôt, j'ai pas craqué d'ailleurs, hein. J'ai regardé un petit peu comme ça, mais j'ai pas craqué. Par contre, clairement, je vais vous faire un haul parce que je devais aller pour les collants pour... mes colis Vinted que je viens d'envoyer, mais clairement on en a eu pour presque 100 euros. Voilà, ça c'est cool d'aller chez Action. Donc en plus j'ai trouvé des trucs pour mettre dans mon petit, là où j'ai mes rosiers et tout, mon petit jardin là, mon petit... Donc je suis trop contente. Donc je vous montrerai ça en haul, vous l'aurez peut-être déjà vu quand j'aurai mis ce vlog si ça se tombe. Donc voilà, je vais faire un haul Action à mon avis, je vais peut-être déjà le tourner aujourd'hui, je pense, si j'ai le temps. Logiquement je dois mettre un autre haul ce soir, mais tout dépend si Chiquel m'a répondu, parce que Chiquel m'a envoyé des articles. D'ailleurs ben, je porte un de leurs gilets là. C'était une ancienne... C'est pas ce qu'ils m'ont envoyé cette fois-ci, quoi. C'est un ancien colis qu'ils m'avaient envoyé. Et j'aime trop, franchement, leurs vêtements. C'est déjà la troisième fois qu'ils me contactent. Je suis trop contente. Donc là, il faut que je tourne ma vidéo haul. Et du coup, je voulais inclure les articles Chiquel. D'ailleurs, j'ai pas encore ouvert le colis. Je vais l'ouvrir en même temps que je ferai ma vidéo. Donc, je vais faire un unboxing. Mais j'ai un code promo et je ne sais pas s'il est déjà activé. Donc, du coup, il faut que je regarde si je leur envoie un mail ce matin pour qu'il active. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, en général, ils m'envoient le code promo. Si je sais déjà tourner la vidéo, mais ils doivent l'activer, surtout que c'est un code promo qui est valable 5 jours. Donc là je leur envoie un mail, mais j'ai pas encore eu de réponse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner déjà mon haul et tout va dépendre de leur réponse. Si j'ai la réponse ou si je vois que mon code fonctionne, je mettrai le haul beauté en ligne ce soir. Si pas, bah, du coup j'en profiterai pour mettre le haul Action qui n'était pas prévu. Donc voilà, au moins j'ai une vidéo de secours parce que je suis déjà maquillée et tout, donc je vais pas faire un make-up. Mais voilà, ainsi je vais faire Action et je ferai directement le haul. Donc je vais essayer de faire deux vidéos, mais là monsieur est à Hubo et on va devoir aller chercher à Alaric d'ici 3/4 d'heure, donc le temps que monsieur aille à Hubo, qu'on aille à la banque après, bah, il sera temps d'aller chercher à Alaric, donc on ira vite chercher à Alaric. Je ferai certainement peut-être à manger avant de tourner mes vidéos, je sais pas encore, parce que là j'ai la dalle, en plus j'ai le brûlant, ça fait des jours et des jours que j'ai le brûlant pour l'instant.
je sais pas pourquoi. J'espère que ça va passer, ça m'embête un peu. Ça, c'est des notifications. J'espère que c'est mes colis que les dames ont envoyé, parce que je vais envoyer mes colis Vinted à un endroit, à un truc de machine à laver. J'arrive plus à revenir sur le nom. Là où on va quand on n'a pas de machine à laver. Enfin, vous avez compris. Donc, du coup, elle m'a fait poser mes colis sur la machine à laver. Elle m'a dit si c'est pour un envoi, il n'y a pas besoin de signature, il n'y a besoin de rien, elle scanne juste le code barre. Et donc elle m'a dit posez les colis là si c'est pour un envoi, parce qu'elle était occupée. Mais je me dis oui, mais si quelqu'un rentre, il prend mes colis, il se casse en fait. Ça se passe comment? Donc là j'espère que c'est ça, mais je vais regarder tout de suite d'ailleurs, je vais le savoir. J'ai oublié de faire, la caméra me suit du coup, du regard. Alors on va regarder ça tout de suite si c'est mes colis. Est-ce que c'est bon signe? Oui, livraison envoyée. Donc voilà, c'est mes colis qui sont envoyés. Parce que là, j'ai une bonne affaire sur Vinted. Je vous montrerai ça, donc je n'en parle pas trop non plus. J'ai fait une bonne affaire sur Vinted. J'ai pas encore acheté. La personne me l'a réservé parce que j'ai mis quelques trucs en vente. C'est ce que je fais des fois pour acheter d'autres produits make-up. Hein, parce que voilà, forcément, si ce n'est pas infini les sous. Hein, donc du coup, j'ai mis quelques trucs en vente pour pouvoir m'acheter cette palette qui est juste canon. Et ainsi, ben, je paierai avec les sous que j'aurai reçus sur mon Vinted. Je paierai la palette. Donc la personne a été très gentille, elle m'a réservé la palette pour moi. Et voilà, dès que j'ai déjà envoyé des colis, mais j'en ai d'autres que j'ai envoyé aussi il y a quelques jours qui sont arrivés aujourd'hui. Donc les personnes ont logiquement validé. S'il n'y a pas de casse, toujours peur quand on envoie des palettes. Donc voilà, j'attends que ça soit validé. Ainsi, je paierai une partie de la palette avec les affaires que j'aurai revendues. Donc voilà, j'essaye de trier maintenant presque automatiquement les choses que j'aime pas ou qui ne. Que j'aime pas et qui, comment vous expliquer, qui. Voilà, les choses qui ne sont pas un coup de cœur, voilà, comme par exemple la palette Kiko, la nouvelle, je l'ai mise sur Vinted parce que elle est bien, les fards tiennent bien et tout, mais c'est pas, voilà, c'est pas un gros coup de cœur, voilà, c'est pas Natacha Denona, quoi, donc du coup, voilà, comme ça, c'est comme ça que c'est pas un gros coup de cœur. Par contre, j'ai gardé le bronzer et le blush que j'ai surkiffé, donc ça, je les ai gardés et je vais bien les utiliser et je compte acheter les autres teintes de blush, mais la palette et l'highlighter, c'était pas des trucs, des gros coup de cœur, vous l'avez vu dans mes tops et mes flops, donc du coup, voilà, je les ai mis sur Vinted, donc voilà, j'essaye de mettre au fur et à mesure quand les trucs, voilà, parce que sinon, ma collection, ma maison, je dois avoir une pièce exprès, je n'ai pas de pièce pour ça, malheureusement. Je sais pas, ma maison n'est pas assez grande pour faire une pièce make-up. Donc voilà, monsieur est arrivé, il a été chercher ce qu'il fallait à Ibo, donc maintenant on va aller à la banque. C'est pas le bon pied, chargé, non, hein. C'est l'autre. Quoi? Papa la mienne, il est chargé, papa l'a chargé. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais moi, moi, je n'ai pas d'autre côté. Toi, tu veux aller tourner avec papa? Tu vas en quad? Non. Tu vas en quad pendant que papa y tombe? Oui, tu passes. Je vais aller en quad quand papa y tombe. Et maman nous regarde en quad et maman. C'est parce que là, dans les graviers, ça va plus vite que dans l'herbe. Hein. Allez, vas-y. Quoi? Vas-y. Mais oui, je te filme déjà. Regarde devant toi. On va aller le mettre dans le jardin, ce sera plus facile. Alors, on est le samedi 4 septembre et voilà, monsieur a terminé la cave. Donc, il a mis le mur en couleur blanc et il a fait le toit de la cave. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant, j'ai plus qu'à... Oui, coucou. Maintenant, j'ai plus qu'à décorer le mur. Parce que voilà, je vais pas le laisser tout blanc comme ça. J'aimerais bien mettre des papillons sur le mur. Donc voilà, le chien qui passe devant. Et la couleur, elle vient de chez Action. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, on est plutôt content. Après, on verra dans le temps si elle tient bien. Mais pour l'instant, ça va. Regardez-moi la rose magnifique, enfin le rosier magnifique, parce qu'elles sont toutes comme ça les roses, mais c'est celle qui vient de s'ouvrir, donc celle-là, les autres elles sont en train de finir et il y en a une autre qui doit s'ouvrir là. Et je voulais vous montrer, je sais pas si vous avez déjà vu le haul Action au moment où je posterai cette vidéo, mais j'ai mis les petites postures que j'ai achetées chez Action, donc c'est-à-dire l'écureuil et l'hérisson qui est juste là. Et voilà, ça donne ça. Trop contente. Et j'ai déjà recoupé ma lavande parce qu'il était temps de la faire, donc je l'ai recoupée. J'espère qu'elle sera un peu plus fournie, qu'elle aura bien grossi l'année prochaine. On verra ça, je vous montrerai ça dans les prochains vlogs.
Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que monsieur est en train de terminer de tondre. Il a commencé hier, mais il termine aujourd'hui parce qu'on a un grand terrain quand même. Donc voilà, aujourd'hui je me suis maquillée avec une palette Pat McGrath que j'ai achetée, que vous avez vu dans mon haul à Mélène, et qui m'a offert un rouge à lèvres, et pas que ça d'ailleurs, vous pourrez voir dans le haul. Magnifique, j'aime trop ce rouge à lèvres et cette palette Pat McGrath, j'adore. Sinon là, ça fait. Il est quelle heure là? Il est 15h35. À 16h30, j'ai mes beaux-parents qui viennent. On va faire un barbecue. On va profiter de ce temps magnifique. Franchement, ils annoncent beau jusque mardi. Ça fait quelques jours qu'il fait bon. C'est trop bien. Donc voilà, on va faire un petit barbecue. Là, elle est pas belle la vie. Je suis dehors parce que mon aspirateur nettoie ma maison. Il aspire et il nettoie. C'est la vie. Hein. Vous mettez tout. En l'air, hop, et puis hop, vous lancez l'aspi et c'est bon quoi. Bon après ça fait pas le grand nettoyage, on est d'accord, hein, mais voilà, ça rafraîchit bien la maison et tout. Quand on a des animaux et des enfants, c'est très bien. Franchement c'est la vie et clairement je pense que s'il me lâche un jour, j'achèterai le modèle au-dessus. Parce que celui-ci passe une petite lingette, enfin c'est pas une lingette mais c'est un petit, il frotte pas vraiment comme un qui nettoie. Il y en a qui nettoie mais qui frotte, celui-ci il passe la lingette humide. Il y a un genre de torchon en dessous humide qui passe et moi je mets un peu de produit dessus et tout. Et c'est trop la vie ça, hein. C'est trop la vie. Donc voilà, du coup je profite du soleil un petit peu en attendant que mes beaux-parents arrivent. Je vais checker un peu Instagram et monsieur lui est en train de tomber. Donc je vais aller voir un petit peu Alaric sur son quad que vous aurez certainement vu parce que j'ai ouvert le... Enfin, j'ai pas ouvert le vlog est ouvert depuis un moment. Mais cette journée-ci, c'est Alaric que vous verrez au début de la journée. Sinon, bah, pas grand chose. J'ai commandé la rétro palette de Natacha Denona, bien évidemment, qui vient d'être envoyée. J'ai vu que certaines l'avaient reçue cassée. J'espère que je vais pas la recevoir cassée. On verra. Ça, c'est toujours avec Sephora, hein, panique. Donc voilà, il y a quoi d'autre comme sortie là que j'attends La Be Perfect. J'espère qu'elle va arriver sur Beauty Bay ou Boozy Shop. Boozy Shop, ce sera le top. Parce que j'aurai la livraison tout de suite. On m'appelle en webcam, donc je vous reprends après. Voilà, j'étais à la webcam avec ma maman, je viens de raccrocher, donc mes beaux-parents vont arriver d'ici 10 minutes, mais je voulais vous montrer, j'ai enfin refait la palette Natacha Denona qui était arrivée cassée, donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà fait sécher pendant 24 heures. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tourné aussi la petite vidéo comme, enfin, quand j'étais en train de la refaire, mais je vous ai pas expliqué, mais ce que je vais faire, j'ai un blush à refaire aussi de chez Kat Von D, donc je vais vous montrer les résultats de la palette. Franchement, je suis plutôt fière de moi, c'est la première fois en plus que je le faisais, et je ferai le blush avec vous, ainsi je vous expliquerai. Bon, il y a des vidéos partout sur YouTube, mais ainsi je vous montre comment moi j'ai fait. Et là, je vais vous montrer le résultat de Natacha Denona. Donc voilà, ça c'est le fard que j'ai refait. Et franchement, bah, je suis plutôt contente. Il est plutôt bien refait. J'ai pas perdu trop de produits. Donc je suis trop contente. Donc voilà, ma palette de Natacha Denona est toute refaite. Je vais pouvoir enfin l'utiliser. Parce que du coup, je ne l'ai pas encore testée. J'ai juste swatché. Donc je pourrais vous la montrer en vidéo et je pourrais l'utiliser. Et je vais refaire du coup le blush Kat Von D. Je vais vous le montrer après, celui que j'ai à refaire. Là, je vous laisse avec la petite vidéo. Quand j'étais occupée à refaire le produit. Et puis je vous montrerai le blush Kat Von D. Alors, je vais vous montrer donc comment je répare mes produits cassés. Donc là, j'ai un blush de chez Kat Von D que j'ai cassé depuis un moment et que j'aime beaucoup en plus. Donc soit vous prenez, moi j'ai pris un petit bâtonnet ici, c'est un repousse cuticule de base, mais vous pouvez prendre aussi le manche d'une cuillère ou n'importe quoi. Là, j'ai pris une cuillère pour aussi aplatir après. Il vous faut de l'alcool soit à 70, moi là c'est de l'alcool à 70, donc 70, ou alors à 90, mais ça fonctionne très bien avec du 70. Il vous faut des essuie-tout pour absorber l'alcool.
Et là, j'ai pris mon petit pot de crème Nuxe pour pouvoir refaire bien le produit après, pour que ça soit quand même assez joli. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, donc, en fait, là, j'avais un peu repressé avec mes doigts en attendant de le refaire pour pas que ça soit la poudre qui s'éparpille partout, bien qu'il s'effrite à nouveau. Et en fait, avec le petit pic, ben, vous recassez tout ça. Il faut vraiment tout casser parce qu'il faut pas de bulles d'air. Voilà, on recasse tout. Ça fait mal au cœur. Pour moi, en tout cas. Mais je sais qu'il va être réparé, donc ça va, je m'inquiète pas trop. Alors, on essaye de pas trop perdre de produits aussi. C'est mieux. Voilà, il faut vraiment le mettre en miettes. Alors par contre là c'est un produit mat contrairement à la tacha que j'ai refait, donc la texture est pas du tout la même. J'espère que ça ira, que ça va pas trop. En général ça marche avec tout, hein. Donc voilà, quand vous avez bien tout écrasé comme ceci, on va mettre l'alcool. Alors moi je le mets à l'œil et il faut que ça devienne une pâte en fait. Là j'ai quand même encore beaucoup de produits en plus. Donc voilà, maintenant on verse l'alcool. Et on mélange. Bon, par contre, je vais essuyer parce que j'ai fait la pochette. Et je vais renverser l'alcool sur mon meuble. De toute façon, là, je vois déjà qu'il ne va pas en avoir assez, bien évidemment. Au pire, je mets dans la cuillère. Je sens vraiment que c'est beaucoup plus sec parce que c'est beaucoup plus difficile à faire que le Natacha Denona. La pâte absorbe vraiment l'alcool. Il va me falloir beaucoup d'alcool. Hein, oui. C'est tout sec. C'est complètement différent niveau texture. Alors voilà, j'ai dû en remettre beaucoup beaucoup plus. Je sais pas si vous avez vu, j'ai certainement un petit peu accéléré parce que bon voilà. Voilà, là maintenant c'est devenu une très très jolie pâte. Et là, ça a l'air plutôt pas mal, mais j'ai vraiment dû en mettre beaucoup. Ça dépend à mon avis de la texture du fard. Mais à mon avis, avec les fards mat, il faut y aller. Donc voilà, là j'ai une belle pâte et j'ai un peu gaspillé aussi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aplatir tout ça à l'intérieur, absorber l'alcool avant que ça sèche de trop. Donc, ce que je vais faire, c'est essuyer le plus possible mon bâtonnet, pas perdre trop de produit. Donc, j'ai fait la cochonne, hein, j'essuierai ça après. De ramener les bords. Hein. On perdait toujours un petit peu de produit hein, de toute façon, mais c'est moins pire que de perdre tous les produits. Vous voyez là tout ce que je perds. Alors donc là, je vais mettre l'essuie, tout. Vous voyez l'alcool? J'aplatis bien pour faire sortir l'alcool. Et après, je vais faire avec mon petit pot pour que ça soit bien, que ça soit joli et pas complètement écrabouillé comme ça. Je vais devoir le faire deux fois à mon avis parce que comme j'ai mis pas mal d'alcool. Et maintenant, voilà, on fait ça. Alors, quand vous avez bien épongé l'alcool comme ça, vous laissez poser 24 heures. Et donc, je vous montrerai quand ça sera bien sec dans 24 heures.
Et je l'aurai bien évidemment nettoyé sur les contours, mais là je vais attendre que ça sèche pour nettoyer les contours. Voilà. On attend que ça sèche maintenant. Regardez, l'alcool est ressorti en dessous aussi. Alors, c'est mieux de le nettoyer quand il est sec. Moi, je l'ai quand même nettoyé maintenant. J'avais envie. Donc, voilà. Donc, ça donne ça. Maintenant, je vais le laisser sécher. Bon, c'est pas complètement lisse dessus, mais forcément que les essuie-tout, en plus, qui sont pas lisses non plus. Mais franchement, pour l'instant, ça donne plutôt bien. Donc, à voir demain quand il sera sec. Faites très attention. Par contre, mettez quand même des essuie-tout, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait à l'arrache, mais mettez des essuie-tout en dessous de votre meuble quand vous faites ça sur un meuble ou sur une table ou quelque chose pour pas avoir des taches. Bon, moi, j'en ai pas eu. Je l'ai essuyé tout de suite. Mais faites très attention. C'est de l'alcool, hein, donc voilà. Donc voilà, on va laisser sécher ça jusque demain et je vous montrerai le résultat. Alors voilà, je vous montre le blush que j'ai refait il y a 2 jours déjà. Je ne voulais pas montrer, j'ai oublié de vous le remontrer. Donc voilà, bah, franchement, il s'est un peu fissuré là. Je ne sais pas pourquoi, mais il tient dans le pan. Mais à mon avis, la texture, je vous l'avais dit en le faisant, elle était un peu plus spéciale. Donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Dans le Natasha, ça ne le fait pas du tout. Alors je vais vous montrer Swatché. Mais Swatché, ça va, hein, la teinte est toujours... super belle, c'est un de mes blushs préférés d'ailleurs. À mon avis, il faudra que je le rachète un de ces 4, mais bon, pour l'instant ça va. Après, je vais réappliquer au pinceau, mais là voilà, il est quand même très beau. Mais je sais pas pourquoi ça a fait ça en fait, je ne sais pas. Donc, le principal c'est que ça tient, mais le Natasha est quand même beaucoup mieux refait que ça, quoi. Voilà, le barbecue ça cuit, on va bientôt manger. Et Balto n'est pas loin des barbecues, hein. Bon, il est en train de muer, donc il a ses poils qui ressemblent pas à grand chose. Là on a Tayara. Et là on a l'herbe que monsieur a tondu. Et le quat d'Alaric, parce qu'Alaric a été un peu en quat quand son papa était en train de faire la pousse. Alors voilà, je vais enfin clôturer le bloc parce que du coup là c'est un bloc de je ne sais pas combien de jours, mais plus d'une semaine, vu que je devais le mettre plus tôt en fait, et du coup voilà, j'ai rajouté quelques petits trucs. Donc j'espère que cette petite, petite semaine, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, ça sera plus simple. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !